अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, vous n'avez pas à vous inquiéter, elle rentrera avec vous ce soir. N'est-ce pas, Jigna? Je ne vais envoyer ma sœur nulle part. Que j'ai dit que Jigna pourra partir au moment où Dinesh vienne et s'excuse d'ici. Mais pour l'instant, papa, elle n'ira nulle part. Oui, je sais qu'ils se sont excusés, papa, mais Jigna a refusé de partir. Et nous ne pouvons pas... Sarivirup, arrête cette discussion pour l'amour de Dieu. Et ce qu'il dit là n'est pas faux. Qu'est-ce qu'il y a, Rupendra? C'est qui? Mon beau-frère Dinesh, le mari de Jigna. Dinesh Kumar, tes parents ne sont pas venus avec toi? Bonsoir, Madame Kamla. Bonjour. Oui, nous n'allions quand même pas laisser Dinesh tout seul, donc on est venu avec lui, pour tous vous rencontrer. Kamla, nous sommes tellement heureux d'être là. Venez, asseyez-vous. Ah oui. Je t'aime tant, Jigna. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Jigna? Jigna, je... Il est là. Dinesh est là. Jigna? Jigna, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Jigna, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est impossible. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Oui, Jigna, dis-moi. Je suis là. Je ne veux plus voir ces horreurs. C'est humiliation, Rup. Je me souviens de... vraiment de tout. Je me souviens de tout, Rup. Tout ce que j'ai enduré. Kinjal, c'est impossible. Kamla, pourquoi tu restes là? Les beaux-parents de ta fille sont là. Va leur chercher à manger. Oui, j'y vais. Oh, Dieu merci, vous allez tous bien. Maintenant que vous êtes là, je vais un peu aider Kamla, d'accord? Hein? Je reviendrai. Kamla? À tout de suite. Eh oui. Oh, tout-puissant, bénissez-nous. Je pense que Shamshir a fait ce qu'il fallait. On ne peut pas laisser Jigna rester avec nous pour toujours. J'ai toujours prié Dieu pour que tout aille bien tout le temps. Heureusement que Jigna a pu retourner chez ses beaux-parents. Mes belles sœurs Kauchalya. Mais oublie ça, Kamla. Souviens-toi que ta fille a eu beaucoup de chance, que son mari est revenu après tant de mois. Tu sais, il y a des filles qui retournent à leur famille, tu vois, et qui restent pour toujours. Et tu ne veux pas que Kinjal se marie, hein? Combien de temps tu pensais pouvoir garder Kinjal avec nous? Réfléchis. Je ne peux plus supporter tout ce
que j'ai enduré. Tout ce qui s'est passé, en fait, c'était de ma faute. Eh oui, Shamsher. Mon fils a beaucoup mûri depuis. Il regrette tout ce qu'il a fait. Ne t'inquiète surtout pas, Jigna. Tu sais, ça la stresse, Rupe. Et tu sais, c'était tellement soudain. Et personne n'a pensé que ça allait arriver. Je vais parler avec eux pour voir ce qu'ils en pensent. Oui, Jigna. De l'eau. Je suis là pour ramener ma femme chez nous. Mais la dernière fois... Écoutez, je sais que c'était de ma faute, mais je suis resté un instant sans ma femme. J'ai compris sa valeur. J'ai arrêté toutes mes vieilles habitudes et mon comportement aussi. Je vous demande pardon. C'est pour ça que je veux bien ramener ma femme à la maison. Tu n'as vraiment pas à avoir honte. Tu n'as vraiment pas à t'excuser. J'en suis sûr qu'on a tous fait des erreurs. Mais le plus important, c'est de rectifier pour avoir une famille heureuse. Et c'est ce que tu vas faire avec Jigna, c'est d'accord? Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Jigna. Dinesh a présenté ses excuses devant papa et maman. Il a accepté ses erreurs. La raison pour laquelle il est là, c'est pour qu'il... pour t'emmener avec lui. Je sais que quoi qu'il dira à papa... je le connais tellement. Cet homme ne changera jamais. Je ne veux pas y aller. Ne me forcez pas à partir avec lui. Oui, Jigna, personne ne le fera. Personne ne te forcera, d'accord? Si tu ne veux pas y aller, tu n'y vas pas. Et surtout, n'oublie pas, d'accord? Tu as mon support. Et... moi aussi. Jigna, tu dois maintenant y aller. Pour parler à tes parents de tout cela. Kinjal, je ne veux pas revenir là-bas. Je ne veux pas. Voilà, Dinesh. Prends ça. Quoi? Tiens, te voilà, beau-frère. Assieds-toi, viens t'asseoir près de moi. Je voulais vraiment te parler, en fait. C'est gentil. Merci d'être venu ici. Mais il paraît que... il semble avoir un petit problème sur un sujet dont je veux tous vous parler. En ce moment, Jigna ne sait pas encore que vous êtes venu ici pour la ramener chez vous, alors elle est encore un peu choquée. Donc, Pendra, arrête cette absurdité. Ça n'en est pas une. C'est vrai. Et tu en es aussi responsable. Tu savais qu'il venait. Tu savais qu'il venait pour emmener Jigna avec eux. Oui, tu le savais, et pourtant tu n'as informé personne ici à la maison. Dinesh, tu vois, Jigna n'est pas préparé mentalement à partir. Alors... tout ce que j'ai fait pour ta sœur et pour son bien... reste en dehors de cette affaire. Je ne sais pas comment t'as pu oublier. Mais moi, et surtout Jigna, s'en souvient bien de ce qui s'est passé. De la manière...
dont ces gens l'ont traité là-bas. Je ne vais envoyer ma sœur nulle part. Et je me souviens de ce que j'ai dit. Que j'ai dit que Jigna pourra partir au moment où Dinesh vienne et s'excuse d'ici. Mais pour l'instant, papa, elle n'ira nulle part. Ils se sont excusés. Papa, oui, je sais qu'ils se sont excusés, papa. Mais Jigna a refusé de partir. Et nous ne pouvons pas la forcer à partir d'ici. Et si elle ne veut pas partir de cette maison, je suis avec ma sœur, papa. Elle n'ira nulle part. Que quoi ? Tu vas appeler Jigna ou... Je le fais. Rupendra. Ton père a raison. Je vais appeler Jigna et je l'emmène ici. Écoute-moi, Jigna. Eh bien, après le mariage, la femme, elle appartient à la maison de sa belle-famille, tu sais. Eh bien, tu ne peux plus rester ici. Puis, Dinesh Kumar, il a accepté ses torts, ma chérie. Alors pourquoi est-ce que tu veux rester ici? Vous savez, maman... Jigna. Cela fait 6 mois. Et les bruits courent. Les gens de la société ont déjà commencé à parler, tu sais. Après 1 ou 2, ils commenceront à se questionner sur son comportement. Une femme n'est respectée uniquement que si elle est avec son mari. Allez, oublie le passé. Je t'en prie, Jigna. Je t'en supplie, accepte. Rentre avec eux, c'est pour ton bien, ma fille. Maman. Ishika, habille-la et emmène-la dehors. D'accord, maman. Kinjal, prépare vite son sac, s'il te plaît. Jigna. Allons-y. Ah, ils sont beaux ensemble. Très beau, très beau. La nourriture était vraiment délicieuse. Nous devons partir. On y va, Jigna.
Jigna, on y va? Je n'irai pas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Maman. Dinesh, ne t'en fais pas pour ça. Jigna est encore un peu choquée. Elle va partir avec vous. Et tout de suite. N'est-ce pas, Jigna? Père, je ne veux pas y aller. C'est un enfant. Elle est encore innocente. Je lui ferai revenir à la maison. Excusez-nous. Elle est encore choquée. C'est parce que je ne l'avais pas informée de votre venue. Vous devrez la laisser ici aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Je ne manquerai pas de vous l'amener chez vous demain. Vous voyez, dans notre famille, les filles ne sortent pas le soir. Donc, ça vous va, n'est-ce pas? Hein? Jigna viendra le voir demain. Hein? D'accord. Bien, c'est d'accord. Au revoir à tous. Au revoir. Viens, mon fils. Là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Papa, c'est ta propre fille. Ton propre sang. Comment est-ce que tu peux la forcer comme ça, papa? T'aurais quand même pu essayer de faire un petit effort et de la comprendre, papa. C'est le rêve de toute fille d'avoir sa belle famille, d'être avec son mari. Mais si Jigna ne veut pas y aller, si elle a peur d'aller avec ces gens-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Assez. Je n'ai pas écouté tes bêtises. J'ai 3 enfants. Et tu es le plus jeune d'entre vous. Toi, tu m'apprends mon devoir. Tu vas m'apprendre ce que je dois faire et ne pas faire dans cette famille. Tu veux devenir... Tu veux devenir mon père. Je déciderai ce qui est bon pour cette famille. Et personne n'interviendra. J'ai déjà levé les mains sur ta mère. Va lui demander. Mais aussi, je l'ai aimée. Et... comment peux-tu dire que seul Dinesh avait eu tort? As-tu pensé que ta sœur peut l'être? Tu sais, une fille, fais une maison, la décore, rend son mari heureux. Et un homme est heureux. Grâce à sa femme. Et grâce à tout ce que sa femme fait au quotidien. Tu sais pourquoi tu as tort? Si tu ne vas pas chez eux demain, pour moi, tu seras morte! Qu'est-ce que tu dis, papa? Tu es toujours... Virup, arrête cette discussion pour l'amour de Dieu. Je sais que tu es très intelligent. Eh bien, je sais aussi que tu aimes beaucoup tes sœurs, mon fils, mais... mais ton père connaît les choses bien plus que toi. Et ce qu'il dit là n'est pas faux.
Nous savons tous très bien que Jigna a eu des soucis dans cette maison. Mais Roop, ne devrions-nous pas leur donner juste une chance? Je te rappelle que ta sœur Jigna, elle appartient à cette maison après tout. N'est-ce pas, Roop? Maman, mais... Laisse tomber, Chika. Roop Andra, tu ne peux pas les raisonner. Quant à ma mère... Et mon père ne veut pas que je reste ici. Avec eux dans leur maison. À quoi bon argumenter? Et mon père? Qui dit que si j'y n'y vais pas, je serai morte pour lui. Non, Jigna, c'était juste... Je te dis une chose, papa. Le moment où je serai leur belle-fille, je serai morte pour toi. Car tu m'obliges à faire une chose que je ne veux pas faire.